Hasim bonang bonang kumandela tina lape kuma lape feli Hasim bonang ba Ishola panga peshe ya bayukana Ay baba Atuspe chile na mfoga mshengu Wangzunga Usi wangzunga sa wetu Le plus grand haras d'Afrique du Sud, Summerhill Stud, s'étend sur 1500 hectares de verdure luxuriante à 2 heures au nord de Durban, une région surnommée la Suisse africaine. Déjà sacré 10 fois meilleur éleveur du pays, triple vainqueur du Met, Mick Goss veille sur 200 poulinières, une cour de 7 étalons ainsi qu'un hôtel de luxe, un restaurant classé parmi les 5 plus chics du pays et une école qui forme des futurs professionnels de l'élevage. D'un point de vue européen, le haras n'est pas si ancien. Mais pour l'Afrique du Sud, vous savez, l'endroit a une très longue histoire qui remonte à 1875. Le créateur, Sir Frederick Moyse, a été le dernier premier ministre de notre région, le KwaZulu-Natal, avant l'unification du pays. Ancien avocat à la ville, Mick Goss et sa famille sont venus en pleine campagne en 1989 pour prendre les rênes d'un haras qui avait déjà gagné toutes les plus grandes épreuves du pays, mais alors en perte de vitesse. L'entrepreneur l'a relancé en créant aussitôt les premières ventes brise-up de l'hémisphère sud, avec une promotion internationale révolutionnaire à l'époque, un site internet et des DVD envoyés sur toute la planète. That brought the world to us. Les professionnels du monde entier nous ont alors découverts. Et malgré les contraintes de la quarantaine, des clients de Hong Kong, de Singapour et de toute la planète ont acheté des chevaux ici pour les faire courir sur place et importer ensuite chez eux certains parmi les meilleurs. Sous le coup d'une quarantaine très contraignante en termes d'exportation, l'Afrique du Sud parvient quand même à montrer son talent hippique à l'étranger. Vous savez, nos chevaux sont compétitifs au meilleur niveau mondial. Si vous analysez les performances réalisées à Dubaï dans les 12 dernières années, nos chevaux d'Afrique du Sud ont remporté 6 derbys des Émirats, 4 fois le groupe 1 sur le sprint, 3 duty free, encore des groupes 1, 4 Godolphin Mile, et ils ont terminé 3 fois dans les 3 premiers de la Dubaï World Cup. Ces résultats sont quand même assez extraordinaires quand on pense que nos chevaux doivent passer 6 mois de quarantaine avant d'arriver prêts pour courir pendant une période aussi courte. Après de longues années de combat, les professionnels locaux voient le bout du tunnel avec une quarantaine qui devrait être ramenée prochainement aux standards internationaux. Compte tenu de la moyenne des prix de vente yearling 10 à 15 fois inférieure ici par rapport au grand marché américain ou européen, ce rapport qualité-prix défiant toute concurrence ne manquera pas d'attirer une nouvelle clientèle internationale. I think there are great synergies between our countries in terms of shuttling. Ce que je dois dire à mes amis, les éleveurs français, c'est qu'il y a une grande synergie entre nos deux pays en termes de shuttle. Parce que nous non plus, on ne fait pas nos courses dans le même magasin que Coolmore, Lands End ou ce type de haras. Mais nous avons ici en Afrique du Sud des clients qui ont des moyens importants et qui seraient très heureux de s'associer avec des professionnels français. Dans sa cour d'étalon, depuis 3 ans, Mick Goss a d'ailleurs Lingari, bien connu en France, où il a démarré sa carrière en se montrant très améliorateur. Nos statistiques démontrent que si l'Afrique du Sud a importé des poulinières de tous les grands pays du monde, Nouvelle-Zélande, Australie, Argentine, USA, Angleterre, Irlande, et bien sûr France, ce sont bel et bien les juments françaises qui ont eu le plus de succès chez nous. Have been the French horses.